Salut, salut les gars, voilà, c'est tout le monde, Sam Hospital, et vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russo 225. Alors, comme d'habitude, j'ai déjà fait cette vidéo-là, mais je l'ai fait dans une autre langue, c'est-à-dire je l'ai fait en anglais. Et donc, ça, c'était parce qu'il y a d'autres étudiants qui m'avaient demandé cela pour que je puisse faire cette vidéo-là, pour qu'ils puissent postuler eux aussi, mais c'était des étudiants anglophones. Alors, j'avais demandé comme ça, j'avais dit comme ça que j'allais reprendre cette bourse-là pour les étudiants francophones. Voilà, donc c'est chose faite. Alors, sachez déjà que c'est à l'université de Bressen. Voilà, et ça, c'est dans une université hongroise. Donc, pour ceux qui veulent postuler, vraiment, c'est une bonne opportunité pour vous de pouvoir postuler. Et ce que vous devez retenir, c'est quoi? C'est que, en réalité, cette bourse même doit être lancée en mi-novembre. Mais ce que les étudiants doivent faire, c'est d'abord postuler pour l'admission. Et lorsque la bourse sera lancée, vous allez même en même temps activer cette bourse-là sur votre plateforme pour pouvoir participer. Donc, pour pouvoir postuler, c'est très simple. Voilà. Et j'avais déjà montré dans l'autre vidéo, c'est très simple. Et ici, comme ça, ce qu'on va faire, je vais essayer de vous montrer cette bourse-là et puis aussi vous montrer les éléments dont vous avez besoin pour postuler et en même temps aussi directement postuler pour que ceux qui veulent postuler en même temps puissent voir comment ça se passe pour pouvoir le faire. Donc, ici, par exemple, comme ça, moi je considère que je vais pour la licence. N'oubliez pas, tout est identique, c'est la même chose. Donc, si vous venez ici dans Prospective Student, voilà, c'est-à-dire les étudiants qui veulent postuler, donc vous allez venir dans Scholarship and Loans. Ici, vous allez cliquer là et vous allez voir quelle est en réalité la bourse pour laquelle je fais cette vidéo-là. Et bien, cette bourse-là, Stipendium Hongrien, ça, Scholarship. Voilà, je vais mettre en français comme ça pour ceux, s'il y a français, ouais. Pour ceux qui ne maîtrisent pas, voilà, donc je parle de cette bourse-là, cette bourse qui est là. Voilà, donc si par exemple, n'oubliez pas, vous pouvez aussi postuler pour ceux qui veulent faire la médecine, c'est possible. Donc si je postule ici, par exemple, pour une bourse qui est là, on va voir un peu quels sont les éléments dont vous avez besoin pour cette bourse-là. Donc, pour pouvoir postuler cette bourse, déjà, vous devez savoir que la bourse sera lancée en mi-novembre. C'est ce qui est écrit là. Voilà. Et pour pouvoir postuler cette bourse-là, vous venez sur ce lien qui est là. Lorsque ça sera lancé, vous venez sur ce lien et vous allez leur indiquer vos éléments. Si je clique sur le lien qui est là, par exemple, ça c'est un exemple que je prends pour que vous voyez un peu comment ça se présente là-bas et tout ça. Donc, ici, c'est parce qu'ils sont rendus ici, ils m'ont déjà détecté, mais je vais mettre non. Donc, ils seront obligés maintenant de mettre mon pays. Ici, si je mets par exemple Côte d'Ivoire, ça c'est pour vous montrer un peu quels sont les éléments qui se trouvent dans cette bourse-là pour que vous ayez au moins une idée de comment faire pour pouvoir postuler à cette bourse-là. Voilà, donc ici, par exemple, comme ça, vous pouvez maintenant essayer de choisir votre faculté ici. Voilà, et une fois que vous sélectionnez votre faculté, vous allez savoir un peu quels sont les documents dont vous avez besoin. Mais ici, ce que moi je vais vous montrer, c'est quoi? C'est la bourse en question et comment est-ce que vous devez faire pour postuler à cette bourse-là. Donc, si vous venez là, ici par exemple, Bourse Online Application is now open for the academic. Donc, ici, à partir du 15 novembre, voyons voir ici ce qu'ils disent. Donc, je vais essayer d'activer, de mettre en français encore. Voilà. Ok, ici nous sommes heureux de vous annoncer que rien s'est ouvert. Postulez maintenant et commencez vos études en septembre. Et ici, ça c'était pour septembre passé. Voilà, ça c'était pour une date passée. C'est ceux qui ont commencé en septembre 2022. Voilà, plus de détails, mais vous n'avez pas besoin de ce qui est là. Voilà, même si pour l'année qui suit, ça sera ouvert par exemple comme ça en mi, c'est-à-dire aussi le 15 novembre aussi 2022, vous voyez ici. Ici, c'était ouvert le 15 novembre 2021 pour ceux qui venaient étudier en septembre 2022. Pour cette fois-ci aussi, mi-novembre, ça sera ouvert aussi le 15 novembre aussi 2022 pour ceux qui veulent aller étudier en 2023. Vous comprenez? Donc, vous allez utiliser le même interface pour pouvoir postuler. Et lorsque ça va arriver, ils vont changer ces dates-là, cette date qu'elle a, et cette date qu'elle a aussi, ils vont mettre aussi le 15 novembre 2022. Voilà, pour ceux qui veulent postuler pour l'année 2023. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc vous allez utiliser aussi cette plateforme-là pour pouvoir postuler. Voilà, mais pour le moment, ce que vous devez faire, vous devez d'abord chercher à avoir une admission dans une université. Voilà, ici, avant que la bourse ne soit déclarée, avant que la bourse ne soit lancée. Voilà, donc pour pouvoir postuler, c'est très simple, comme je l'ai dit. Vous devez d'abord choisir une université. Voilà, vous devez d'abord choisir une faculté. Donc moi, ce que je vais faire,
Ici, vous voyez, application opens in November. Donc, c'est pas encore ouvert. Donc, ne vous embêtez pas. Donc, ce que moi, je vais faire, je vais essayer de faire quoi? D'aller sur une faculté et puis essayer de postuler. Mais d'abord, vous allez sur la faculté. Vous allez d'abord chercher à voir quelles sont les dates limites de cette faculté-là. Parce que toutes les facultés n'ont pas les mêmes dates. Donc, si moi, je viens, si moi, je veux postuler, par exemple, ce que postule pour le master, c'est là. Pour ce que postule pour la licence, c'est là. Ce que fait la médecine, c'est là. C'est ici. Et ce que veut faire le doctorat aussi, c'est là. Voilà, donc ça va dépendre de vous. Et moi, je vais par exemple faire la licence. Donc, moi, je viens ici. Je clique là. Et voici les éléments de licence qui sont déjà établis. Moi, je vais choisir et puis aller postuler à l'intérieur de cette faculté-là. Donc, si moi, je choisis par exemple de computer science ici. Voilà, science informatique ici. Je vais cliquer sur computer science. Ça me renvoie ici. Et ça me dit en même temps comment est-ce que je dois faire pour pouvoir faire quoi, pour pouvoir postuler. Donc, ici, par exemple, vous voyez, le cours, il y a 51% et la pratique, 49%. Donc, ici, par exemple, main subject typical, ça, je vais essayer de voir pour... Donc, si vous voulez postuler, c'est déjà ici. Vous pouvez cliquer là directement pour pouvoir postuler. Mais moi, je vais vous montrer le processus, c'est-à-dire, check some information about application and admission process. Donc, je vais cliquer là pour vous montrer un peu quels sont les éléments dont vous avez besoin pour pouvoir faire votre candidature. Donc ici, par exemple, pour ceux qui veulent étudier en septembre prochain, voilà, pour ceux qui veulent étudier en septembre prochain, vous avez, ceux qui veulent étudier en septembre prochain, la date limite pour ceux qui veulent faire la médecine, c'est le 31 mai, pour ceux qui veulent faire le doctorat, c'est le 15 mai, pour ceux qui veulent faire les autres facultés qui restent, c'est le 15 juin. Vous comprenez? Donc, vous pouvez postuler de ce moment-là jusqu'au 15 juin. Et pour ceux qui veulent étudier, par exemple, comme ça, en janvier ou bien en février, pour la médecine, c'est le 1er novembre, c'est-à-dire dans un mois, c'est déjà terminé. Et ceux qui n'y font pas la médecine, et les autres, par exemple, c'est-à-dire hors médecine, c'est quoi? C'est le 15 novembre 2022. Donc, c'est-à-dire ceux qui sont en médecine... pour les doctorants, pour les masters et tout, c'est le 15 novembre. Voilà, donc ici, une fois que vous connaissez maintenant les dates limites, vous allez maintenant chercher à voir quels sont les documents dont vous avez besoin pour pouvoir postuler à cette bourse-là. Donc, les documents, ici, on est développé, bon, je vais mettre en français, pour que vous soyez en même temps dans la même procédure que moi, sur les mêmes ondes. Donc, les documents suivants doivent être soumis au cours de la procédure de demande pour tous les étudiants, pour tous les demandeurs via une plateforme en ligne qui est là. Donc, on doit cliquer là pour aller remplir, vous comprenez. Mais, on va essayer d'énumérer un peu les documents dont nous avons besoin pour pouvoir le faire. Donc ici, va dire de remplir les documents, formulaire de demande que vous allez cliquer là. Vous allez cliquer là, vous allez remplir votre formulaire de demande. N'oubliez pas ce que je vous dis. C'est que c'est ici que tout se fait. C'est-à-dire, lorsque vous allez cliquer là, vous allez aller remplir tous les éléments là-bas. Et tous les documents qui sont ici, dont on vous demande, vous allez ajouter ça ici. Vous comprenez? Voilà. Je ne vais pas ouvrir en même temps pour ne pas aller vite en besoin. Je vais vous montrer un peu les documents qui y sont. Donc ici, il y a d'abord votre formulaire de demande. Vous allez télécharger ce formulaire-là ou bien vous allez remplir en ligne. Voilà, ce formulaire de demande-là, vous allez remplir tranquillement. Et... vous allez compléter aussi, vous allez commencer à remplir. Ici, je vais vous montrer comment ça se passe après. Donc ici, après ce formulaire, il y a quoi? Le certificat d'études, c'est-à-dire votre diplôme plus les relevés et tout. Voilà, vous devez les avoir. Et ici, le certificat de preuve de citoyenneté. Donc, votre passeport, ici. Après cela, vous devez avoir un CV. Et après cela, vous devez faire des tests, vous devez faire des tests dans les hôpitaux, voilà. Et pour pouvoir faire ces tests-là, pour savoir quels sont les tests que vous devez faire, soit c'est VIH ou hépatite B, tout ça, vous allez télécharger le fichier qui est là. C'est avec ce fichier-là que vous allez, à l'hôpital pour aller voir votre médecin. C'est-à-dire quoi? Le fichier, comment est-ce qu'on obtient ce fichier certificat médical? Vous allez mettre votre pays. Si moi, par exemple, je peux mettre Côte d'Ivoire, je mets Côte d'Ivoire. Ici, par exemple, je mets Côte d'Ivoire. Et ici, par exemple, je choisis la faculté que je fais. Vous devez mettre autre faculté. La faculté de médecine avec les autres facultés, c'est très différent. Donc, si moi, je veux faire mathématiques, je mets autre. Si je veux faire, comment on appelle ça?
chimie, je vais faire par exemple physique et tout, tout, je mets, je clique ici. Mais si vous pensez que les éléments qui sont là, comme par exemple, parce que ces éléments-là sont différents des autres éléments. Voilà, parce que c'est pourquoi je vous dis que la médecine, pour ceux qui m'ont sollicité, par exemple, quand vous postulez à la médecine, c'est une chose qui est à part entière, vous comprenez, et c'est très différent des autres facultés. Donc les universités ou bien même les pays donnent toujours des critères qui sont un peu différents des autres facultés. C'est pourquoi ici vous voyez que c'est différent. Si vous cliquez là, ça sera différent d'ici, ça sera différent de là, ça sera différent de là, ça sera différent de là. Donc tous les éléments qui sont différents des autres éléments, vous comprenez. Donc vous choisissez autre, si vous faites autre chose, si vous voulez faire autre programme ou bien autre faculté que les facultés qui sont là, vous choisissez autre. Donc vous choisissez autre. Une fois que vous choisissez autre, voici maintenant votre certificat médical que vous devez avoir. Donc si je clique là, par exemple, comme ça. Vous pouvez cliquer là, et une fois que vous cliquez là, vous allez cliquer sur download ici pour télécharger. Bon, je sais pas où ça va se trouver pour votre application. Sinon, si vous cliquez là, ça fait download. Vous pouvez télécharger directement dans votre PC et mettre sur une clé USB, aller télécharger, aller imprimer au cyber et aller avec pour sur votre par exemple comme ça sur votre médecin pour aller faire les tests. Donc, les tests dont ils ont besoin, c'est quoi? Ça, tout ça, vous allez remplir tout ce qui est là, nom, prénom et tout, tout, tout. Voilà, vous allez remplir tous ces éléments qui sont là. Et les tests qui sont là, on a quoi? On a mobilite, on a pertussis, on a quoi? Poliomyélite, on a hépatite B. Donc, vous devez faire tous ces tests-là. Et s'il y a un test encore en bas, voyons voir en dessous. Voilà, syphilis aussi. Et puis voilà, ce que je vous disais, il y a aussi test de VIH que vous devez faire. Voilà, donc vous devez tout ça. Lorsque vous allez faire, votre médecin, il sait comment il va remplir tous les éléments qui sont là. Voilà, et ici, n'oubliez pas, on dit de mettre les tests que vous avez faits, les originaux, vous devez les agrafer sur ce document-là pour pouvoir télécharger sur votre plateforme. Donc ici, le docteur, lui, va remplir tous les éléments qui sont là. Il va mettre la date, il va mettre son tampon, il va signer, et puis c'est OK. Vous utilisez ce document-là aussi pour aller ajouter à vos documents que vous allez insérer ici. Voilà, donc après cela, il y a le reçu bancaire à propos du transfert des frais de demande. Bon, pour ceux qui ne veulent jamais voir les frais d'admission, pour ceux qui disent qu'ils n'ont pas les moyens et tout ça, je vous considère que vous n'allez pas postuler à cette bourse-là parce que ici, vous voyez qu'il y a 150 $ de frais d'admission. Donc, ceux qui veulent postuler, il y a déjà 150 $ de frais d'admission. Donc, vous devez, lorsque vous allez payer, voilà, vous allez payer en ligne, lorsque vous allez finir de payer, ou bien vous allez payer sous forme bancaire, vous prenez le reçu bancaire et vous ajoutez aussi. Vous ajoutez ce reçu-là pour pouvoir vous l'imprimer, c'est-à-dire vous scannez ce reçu-là et vous l'ajoutez pour pouvoir postuler à cette bourse-là. Voilà, donc c'est un peu ça ce que vous pouvez faire. Donc n'oubliez pas, il y a des cours qui sont comme ça, en langue hongroise et puis il y a des cours qui sont en anglais. Voilà, donc ça sera à vous maintenant de choisir quels sont les cours que vous voulez. Maintenant, si vous voulez un cours qui est en anglais, vous savez déjà que vous devez mettre comme ça. Je vais dire des certificats en anglais. Voilà. Et pour ceux qui font le master, il y a la plupart des facultés qui sont en master sont en anglais. Donc, si vous voulez pouvoir postuler, je crois que ce sera mieux de traduire vos documents d'abord en anglais et d'avoir votre certificat en anglais. Ceux qui font la licence, vous avez la possibilité d'étudier en langue hongroise ou bien en anglais. Seulement que en langue hongroise, vous allez d'abord faire une année de langue hongroise et puis essayer de postuler pour pouvoir étudier en langue hongroise. Voilà, donc une fois que vous avez tous ces éléments-là, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Les demandeurs, ici on dit les documents suivants doivent être soumis en cours de procédure pour les demandeurs via la plateforme qui est là. Donc, une fois que vous êtes maintenant prêt, qu'est-ce que vous allez faire? Soit je vais aller comme ça directement sur la plateforme, c'est-à-dire si je me retourne, je viens sur, par exemple comme ça, ici, où j'avais choisi mathématiques, où j'avais choisi computer science, ici. Je viens là directement pour postuler dans Computer Science, ici, après here. Je peux cliquer là pour postuler directement dans la faculté que j'ai choisie. Vous comprenez? Voilà. Ou bien vous pouvez cliquer aussi vers le haut. Il y a aussi ici. Vous pouvez cliquer ici, postuler en ligne. Vous pouvez postuler aussi là. Donc moi, j'ai cliqué ici, je postule là directement. Donc ici, je vais traduire encore. C'est pas possible. Essayons de voir ici, c'est possible. Ok, donc. Seulement pour les étudiants payant les frais, seulement pour les étudiants payant des frais, si vous souhaitez postuler à la bourse stipendiaire, veuillez cliquer ici. Vous comprenez? Veuillez noter que le portail de candidature SH n'est ouvert qu'entre
la mi-novembre et la mi-janvier. Donc, vous comprenez un peu ce que je vous disais. Voilà, donc j'étudie actuellement en Ukraine et postule pour l'université des jeunes. Ça, c'est pour les Ukrainiens qui ont déjà fui, ou bien des étudiants étrangers qui étaient en Ukraine et qui veulent maintenant étudier là-bas. Donc, si vous cochez ça, ça veut dire que c'est comme ça. Ils vont changer la procédure de votre application. Donc, ne cochez pas ce qui est là, continuez. Donc, ici, par exemple, si je choisis, comment est-ce que vous avez retrouvé notre bourse? Vous allez choisir, par exemple, sur YouTube. Voilà. Donc, prochain, vous allez commencer maintenant à remplir les documents. Tous les documents qui sont là. Programme d'études, renseignements personnels, coordonnées, école présidente, télécharger les documents et puis résumé. Vous comprenez? Donc, vous allez faire tout cela un à un jusqu'à ce que vous finissiez. Alors, ici, par exemple, comme ça, pour le programme d'études, je vais choisir. J'avais choisi quoi? Mathématiques. Je vais re-choisir encore ici mathématiques. OK. Et le grade, je vais mettre par exemple comme ça. Premier. OK. Si vous prenez ici, premier, quatrième, premier. OK. Donc, le semestre. Par exemple, je vais prendre 2022-2023. Je vais prendre 2023-2024. OK. Donc, ici, information supplémentaire. Si vous voulez, vous ouvrez, vous complétez. Moi, je n'ai pas de délivrance supplémentaire. Donc, ce n'est pas un problème. Ici, déclaration. Je fais une demande en première année et je ne veux pas demander d'exception. Je souhaite transférer à une université. Ça, c'est pas pour nous. Je souhaite demander des exceptions de manière sur la base de mes études antérieures et soumettre par la présente tous les documents scolaires disponibles. Avec ma demande, je comprends que mes documents seront évalués après avoir reçu l'examen d'entrée. Donc, ça va dépendre de vous. Si, par exemple, je fais une demande en première année et je ne veux pas demander d'exception, ça dit quoi? C'est-à-dire que si vous cliquez là, votre dossier sera vu par. Si, par exemple, vous choisissez une faculté, quelle que soit la faculté que vous allez choisir, ils vont étudier normalement vos documents ici. Voilà, et là, ça c'est pas pour vous, ça c'est pour ceux qui font les transferts d'une université à une autre université, mais qui sont déjà là-bas dans une université hongroise. Maintenant, ici, c'est pour les étudiants, par exemple, comme ça, qui vont passer des tests pour pouvoir entrer dans une université. Donc, si vous voulez passer un test, par exemple, si ça concerne la médecine, je considère que vous allez passer un test, mais si vous cliquez ce qui est là, la faculté qui va vous donner, par exemple, ce que vous allez choisir, vous allez d'abord passer un test pour pouvoir accéder à cela. Donc, moi, je vais cliquer ici, je ne fais. Je fais une demande en première année, voilà, et je ne veux pas de demande d'exception. Voilà, donc ici, j'accepte de ne plus pouvoir soumettre des demandes d'exception de matière tout au long de mes études. Ok, j'accepte aussi que l'université des personnes se tourne vers mon établissement, oui. Je certifie que les documents sous ce formulaire sont vrais, oui. Et je confirme que cette demande est entièrement conforme à mes intentions et par la présence je soumets cette demande à l'université de Bruxelles avec les détails inquiétés. Ok, en signant cette déclaration, je consens. Ok, donc on va essayer d'avancer. Prochain, vous voyez, ça décale là, renseignement après ça, coordonnées après ça, ici après ça, là après ça, là. Ok, donc le nom, je vais prendre, je vais mettre un nom comme ça. Ok, donc mon prénom, mon nom maintenant. Ok, donc nom d'affichage, yellow violette. Ok, le genre, c'est quoi? Masculin. La date de naissance, étant donné que je viens par exemple faire. La licence, je vais considérer que je suis né peut-être en 2006. Voilà, parce qu'en 2002, c'est comme si j'ai 20 ans. En 2006, c'est un peu moins. En 2004, je crois que 2004, c'est bon. Donc, je vais prendre le 19 octobre 2004. OK, pays de naissance, c'est quoi? Côte d'Ivoire. Donc, je vais prendre Côte d'Ivoire ici. Voyons voir Côte d'Ivoire. Si c'est Côte d'Ivoire là, c'est que c'est Ivory Coast. Ok. Après ça, ville de naissance, je vais mettre comme ça Abidjan. Nationalité Côte d'Ivoire.
Ok, ivoirien ici. Donc, prénom, nom, prénom des parents. Ok, nom de famille. Ok, donc ici, nom à l'affichage de la mère. Ok, votre numéro de passeport, je mets par exemple. Ok, et quand est-ce que votre passeport expire? Je vais prendre 2027. Ok, le 25, 10e mois 2027. Votre niveau d'anglais, je vais mettre comme ça, basique. Voilà. Nom de niveau d'anglais, si vous avez obtenu comme ça ici. Si vous avez obtenu, par exemple, vous voyez que ce n'est pas vraiment obligatoire. C'est obligatoire lorsque c'est en rouge. Ça veut dire que vous pouvez faire au moins une année de langue. Ça, c'est à votre souhait. Voilà, c'est pas vraiment obligatoire. Mais si vous avez eu, par exemple, comme ça, un certificat de langue, vous pouvez déjà l'insérer là. Vous pouvez insérer le nom de ce certificat-là ici. Voilà. Donc, on va sur prochain. S'il y a un souci, ils vont vous dire, vous allez reprendre. Donc, c'est pas un problème. Donc, je prends mon email, c'est ce qui est important. Donc, ok, ça c'est mon email. Confirmer ici le mail principal. Essayons de voir si on peut copier-coller. Ok, donc email supplémentaire, ça c'est pas important. Numéro de téléphone du pays d'origine, je vais prendre plus comme ça 825 07 59 33 12 44. Ok. Numéro de téléphone hongrois, je ne suis pas là-bas. Skype, c'est pas la peine. Adresse du pays d'origine, je vais prendre toujours Côte d'Ivoire. Voilà. Ok, donc ville Abidjan. Je vais choisir ici. Abidjan, code postal, je ne connais pas, donc je mets 00. Ici, adresse Abidjan. Ok, donc je peux avancer. Je répète encore, s'il y a un souci, ils vont vous indiquer cela pour que vous puissiez au moins remettre. Ici, école précédente, je ne suis pas actuellement le propriétaire du certificat, donc les informations soumises, ça, c'est pas vraiment important, ne mettez pas ça, ne prenez pas ça. Donc ici, type de diplôme, ici, collège, ici, et niveau du diplôme. Ici, si vous prenez là, c'est comme si vous avez eu peut-être la licence. Voilà, donc c'est le collège secondaire. Type de cours, temps plein. Vous avez fait votre élément temps plein. Votre matricule là-bas, c'était quoi? HI, votre matricule. Vous devez savoir votre matricule. Le matricule se trouve sur votre bulletin ou bien sur votre diplôme. Donc, si vous ne savez pas, essayez de regarder sur votre bulletin, sur votre diplôme pour pouvoir voir le matricule du diplôme. Donc, je peux prendre comme ça. Je me rappelle très bien, pour moi, quand j'étais en sixième ou bien en troisième, c'était 04 004 820K. Oui, 820K. Voilà, là, ça, c'était pour moi. Ok, donc, émis par, vous mettez le nom, par exemple, comme ça, de sur votre diplôme, il y a, par exemple, pour la Côte d'Ivoire, il y a l'État de Côte d'Ivoire. Donc, vous pouvez mettre, regardez bien sur votre diplôme, là, vous allez voir, ils ont mis. Émis par, ils ont mis le nom de la structure qui vous a délivré votre diplôme. Voilà, donc moi je vais mettre Côte d'Ivoire. Ok, donc date de délivrance de votre diplôme. Si vous avez votre diplôme cette année, vous mettez cette année, mais ça sera pas en octobre, ça sera peut-être vous l'avez eu en août, le 9 août. Regardez bien quand est-ce que vous avez eu votre diplôme, c'est tout. Donc, pays de l'école. C'est quoi? C'est en Côte d'Ivoire. S'il y a un souci, ils vont vous dire, vous allez corriger. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Donc, c'est Côte d'Ivoire. Ok, donc, une fois que j'ai fini directement, je mets prochain.
Et à partir de là, vous voyez, là, il y a là et il y a résumé. Donc, ajouter un nouveau document, sélectionner le type. Donc, ici, par exemple, certificat d'études secondaires, ce que j'avais mis là-bas. Et donc, ici, type de document, je vais choisir certificat de diplôme, diplôme d'études secondaires, parce que je viens faire la licence. Donc, diplôme d'études secondaires, je choisis là et je mets mon diplôme ici. Voilà, je ne vais pas mettre de diplôme, je ne vais pas faire assez de montage aujourd'hui. Donc, je mets mon diplôme là. Vous cliquez là, ça vous envoie dans votre, ça vous envoie directement sur votre plateforme et vous ajoutez le diplôme. Ok, après ça, vous venez là, passeport et carte d'identité. Vous prenez le passeport ou la carte d'identité ici, par exemple. Voilà, vous mettez passeport. Si vous avez une carte d'identité, vous prenez carte d'identité et vous venez, vous choisissez votre passeport dans votre sur votre ordinateur. Après cela, lorsque vous allez finir de payer, par exemple, à la banque, vous allez recevoir votre, votre reçu bancaire. Ce reçu bancaire, vous le téléchargez aussi ici. Voilà. Et à la suite, vous ajoutez aussi votre document, une photo ici. Vous ajoutez votre CV ici. Vous ajoutez le certificat médical que vous avez téléchargé. C'est-à-dire, je crois bien que j'ai téléchargé ça ici. Voilà ce qui est là. Ça, lorsque vous allez finir de faire tout ça, signer, cacheter, tout, 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 vous allez maintenant aussi mettre ce certificat médical là ici, vous comprenez? Voilà, maintenant la preuve pour pouvoir pour l'anglais, si vous avez une preuve que vous maîtrisez l'anglais, vous pouvez mettre là. Ceux qui ont déjà étudié en anglais, c'est pas la peine. Et autres documents, si vous avez d'autres documents, vous pouvez mettre là, c'est-à-dire si vous avez par exemple une lettre de motivation, une lettre de recommandation, ou bien vous avez une carte d'identité aussi, vous pouvez mettre là. Donc, une fois que vous finissez, vous allez maintenant aller sur, vous voyez qu'ils ont mis que je n'ai pas mis, donc je ne peux pas avancer. Voilà, donc. Une fois que vous finissez, ils vont vous envoyer ici résumé. Vous voyez, vous allez venir sur résumé. Et après maintenant le résumé, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez soumettre votre application et voilà, et c'est tout. Maintenant, vous allez attendre à ce que la bourse soit lancée en mi-novembre. Vous allez aller sur le site que je vous avais montré auparavant. C'est-à-dire, j'étais allé là, ici. Voilà, vous allez pouvoir postuler à la bourse directement ici avec les éléments que vous allez avoir sur votre plateforme que vous allez déjà postuler ici, vous comprenez? Voilà, donc c'était un peu ça. Donc n'oubliez pas, si la vidéo que j'ai fait vous plaît, si la vidéo que j'ai fait vous rend un grand service, essayez au moins de me donner une pouce bleu, essayez de liker aussi mes vidéos, essayez de partager pour que d'autres personnes aussi puissent voir les vidéos. Pour ceux qui n'arrivent pas à postuler aux bourses, sachez que nous sommes là, nous postulons aussi pour nos étudiants, pour nos abonnés. Donc si vous êtes intéressé, voilà, essayez de regarder dans la description, il y a notre numéro, il y a notre contact WhatsApp, vous pouvez déjà nous écrire pour qu'on puisse vous aider. Ok, donc les gars, c'était moi, c'est moi, spectateur. Surtout, prenez soin de vous. N'oubliez pas, les bourses sont déjà lancées. Postulez lorsque vous avez l'occasion. Ok, à plus, les gars.